C'est bon. Je crois que c'est dans la descente. Oh. Putain, je sais plus. C'est plus. Ah, ah, je sais plus. Est-ce que c'est cette descente-là ou c'est celle d'après? On va retrouver à un moment donné. Ah, il a mis le Lotus. Oh. Ah, Subaru. Ouais, Aston Martin aussi. Thank you.
bien plus. Non, le problème c'est que si je le fais, il se passe rien. Je peux juste faire ça. Plus important d'abord, c'est les toilettes. Ça, c'est la première chambrine. La porte d'entrée. La première chambrine. La mienne. Avec une petite vue pas trop mal. Et... Ça c'est la cuisine, c'est nous et Schmitt. Bon, on fera avec, mais il y en a une. La table allégée, et bien sûr, la terrasse. Avait, il nous l'a dit le mec là. Avec la mer, l'océan. Et. Je sais pas si on verra là, si je zoome là comme ceci. Eh ben c'est la rune, le petit pic là-bas, avec les nouaches. Bon, les yeux, on était les biens. Tu crois qu'il joue avec des Jordan? Pour de sexe, c'était trop bien. Moi je pense qu'il joue en Jordan. Tu joues avec des Jordan? En tout cas, moi je suis bien content. J'ai mangé ma tarte. Voudriez-vous savoir c'est quoi un Jean Foutre qui filme? Où je t'ai là? Je t'ai dans ma caméra. Tu veux que je te dise ce que ça sent d'ici? Ça sent la merde. Je sens d'ici ta pestilence. Ah, pestilence. Mais moi c'est le mec là-bas là. Comme vous pouvez pas le voir parce qu'il y a les barreaux. Alors moi je le vois fort bien. C'est qu'il y a un mec là-bas, là, il se met grave bien avec sa petite maisonnette. Hein. Oh. Eh. Cri de guerre. Par contre, l'organisme, tu sens qu'il a fait tout dans les ballons, ce mec. Il a fait bon les mecs, j'ai de l'arthrose. Alors là maintenant c'est mort. A tout à l'heure. Agour. 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 A demain. Oh, encore un micro. Ouais, mais je suis à deux doigts d'y aller, hein. Ça va zouker. Hein. Ça va zouker fort. Putain, je termine mon frère. Je l'ai fumé. Oh 8-0, 8-0. Il est bien ce son en fait pour jouer, il est polyvalent en fait. Hein. Tu te fais un essai? Bah ouais.
The king of bling bling, the Ayatollah of rock and roll. Y2J Chris Jericho. Alors le reste, enculé, je crois qu'à chaque fois tu me dis que j'ai pas la bonne. Ah, mais c'était l'ami de son père en fait. Ah, c'était ça. Mais j'avais pas compris. Ah, l'ami de son père, tu vois. Ah, qui danse? Non, elle danse pas. Tu vois, il y a un mec en t-shirt blanc là. Ouais. Et à gauche, il y a une meuf qui parle avec une brune qui est assise. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Voilà. Donc là, c'était un petit peu ce qui régit nos journées ici, hein. C'était l'observation. Prends la pause.
Voilà, c'est ça la paillotte. Voilà. C'est ça la paillotte qui vient. Elle a l'air bien d'être. Ah, et après tu vois, c'est dans les hauteurs. Et quand tu prends la photo tout là-bas, t'as fait une espèce de vue en plongée, c'est assez impressionnant. Avec des gros bras qui s'est passé, parce que là c'est un petit peu de la merde en fait. On est arrivé, on s'est dit mais super, il fait beau et tout, la montagne nous dit non, c'était super cool, et au final bah aucune place nulle part à 60 km² à la ronde. C'était un bordel. On a réussi à trouver une place, on se gare machin, on fait 1 km à pied avant d'arriver à la caisse, et comme par hasard une queue de 500 m, voilà. Donc en fait bah on l'a dans le cul. Il n'y a surtout pas de place pour le train de retour, et moi 6 heures de marche là, voilà. C'était pas prévu comme ça. C'est non hein, déjà les 3 heures on les aurait senties, mais alors là la merde, vraiment la grosse merde. Et ben on réessayera en espérant. En attendant on va becter. Je vais acheter ma planche de rider. Ta belle planche, on va faire de jolis clichés en ultra wide. Et je vais tenter le bodyboard. On va tenter le bodyboard. Ça nous revient en fait qu'il y a plein de bagnoles. Donc tout ça, c'est ce qu'on a dû marcher pour aller à l'entrée. Voilà. D'où Petit Léon. Parce que je comptais faire la montée à pied. Voilà, on comptait monter à pied évidemment. On avait bien évidemment. 3h15. Le problème, c'est que. Mais il n'y a pas de place pour le train du retour, et sans le train du retour, moi 7 heures de marche, 6 heures de marche, je peux pas. Impossible. Voilà. Donc voilà, ça c'est la gare. Pour monter dans le train, monter. Voilà. Ça c'est que juste pour monter. C'est ça. Voilà. Voilà. Et là tout ce monde là. Il y en avait, voilà. Le triple, ça va voilà. Jusqu'à tout là-bas. Hein. Ah oui, ça va jusqu'au bout là. Hein. Ouais, ouais. Voilà, donc là le parking est évidemment plein. Il y a encore des voitures. Voilà. On va passer. Et là même sur le chemin, voilà. Tu vois, il y a même un pseudo parking ici aussi. Ouais. C'est blindé de tout ça.
C'est une montagne qui fait 1 km de haut, hein, faut le savoir, c'est, pas, c'est la montagne mythique du Pays Basque, enfin c'est une petite montagne quoi. Je comprends pas l'engouement du rien ça. Oh là 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 là. Est-ce que c'est pas pire que quand on est arrivé? On est arrivé relativement à une heure où les gens mangeaient encore. Ouais hein. J'espère qu'on pourra la faire à un moment donné, parce que s'il n'y a pas de place dans la semaine. C'est incroyable qu'on doive réserver une place sur les. Pour marcher. J'ai l'impression que c'est l'Everest le truc quoi. Regarde, même de l'autre côté. Partout les gens peuvent se garer quoi. Voilà. Oh là là là. Mais là, là on doit être à 1 km.
des pêcheurs au travail. Pas grand temps peut-être. Ah, t'as un mode nuit. Moi c'est automatique. En fait le mode nuit c'est une exposition en mode. Ah oui, faut pas bouger donc. Ah bah non. Et on s'ennuie. Bon, ça va, c'est vrai. Attends, faut que je fasse le con. Ça va. Ouais. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu du tout. Ah, non. Merde comme ça. Absolument, c'est dégueu à aucun moment. Mm-hmm. Ça, c'est dégueu. Espèce de petit porcelet. Espèce de pourcelet. Oui, mais. Oh la vache, elle est rouge comme ça, ça tape les glaces. Mais. Ouais, ça tape les SM. Parce que là, on voit que toi avec ton t-shirt. Sur mon caméscoupe. Sur mon Super 9. Mon Super 8. Laisse-moi remonter sur la corniche. Oui oui, bah 2 minutes. Oh, bien avec l'eau là, sympa. Regardez la télé, je tourne le regard et que je vois deux yeux qui m'observent dans le noir. C'était les yeux du petit minou. Et il doit passer par les toits. Ferme ta gueule. Ah, il est là. Allez, allez. Bip, 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 bip. Oh bah il en manque d'affection, bonhomme. Ou le bon âme d'ailleurs. Hein? Bip, 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 bip. Viens ici, mon tout petit. Bah oui. Pop. Regarde, tout doucement. Bah oui, oh oui, le tout petit. Bip, 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 bip. Ah, c'est une fille. Ouais, il me montre son scrotum. Vous avez lit? Ouais, ah, devoir arriver. Oui, il a peur, il était dans mon sac, le petit saligo. Je le savais. La location d'à côté, parce que le balcon qui est là, tout à l'heure j'entendais des gens manger à côté. Oh le petit pipou. On est bien là. Hein mon titou? Non, pas oui. Voilà, à la limite je vais essayer de frapper à côté. Hein. Oh. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il me saute dessus d'un coup ce bâtard. On va essayer de trouver son maître à cette bestiole. Parce que au pire, s'il a dit oh bah laissez-le dehors, il va revenir. Bon. Ouais, enfin encore. Si elle le dit en français quoi. Écoute, on va voir, mais ça se trouve, c'est un chat, un bordel du quartier quoi. Dégaine ton téléphone pour montrer la photo du truc. Ouais. Et puis là, logiquement, il y a quelqu'un. Parce qu'il y a une chose, il y a la poignée comme ça. On a
Pour ça? Ouais. Habla francés? Non. Ah, tienes un gato negro? Gato. No? Non. Ah, c'est pour moi. Non. Non, c'est pas vous. Ok. Ça marche. Non, c'est gentil. Ça va. Ça doit être au l'étage dessus, là. C'est avec cette tête-là et accoutrée ainsi que nous partons. Moi je suis habillé. Hein, mais... Que nous partons. Mais oui, ça se trouve, alors, si c'est ça, le chat ne cherche pas comment il a foutu son compte, un truc. Bah, tu sais, un chat, quand ça se barre. Oui, mais t'as vu, de tout en bas, il aurait galéré jusque-là. Ça veut dire que ça fait plusieurs heures qu'il est parti, le machin. Pas forcément. Et je sais pas, il avait pas l'air, il a pas soif ni rien. Donc un chat, ça. C'est comme il y a un waouh waouh. Ça se trouve, c'est un chien qui a l'air. Mais bon, ça se trouve, c'est son chat. Un chien, souvent, quand ça. On a son prénom, ça vient. Ouais, parce que là, ce serait son gâteau. Le chien, par contre, moins. Alors, mi gâteau, tienes una mujer? Pas sûr. Courir, mais je peux plus courir, mon ami. Ah, si je peux, trop cool. Parce qu'on entend un autre chat d'ici. Et tu vois, c'était un chien. Comme ça se voit de complètement, j'ai 30 ans. Apéro ? Ah, carrément. Ah non, mais c'est pas vilain, vilain quoi. Au final, ça va.
C'est somme toute assez beau. Je pourrais te piquer ton grand angle après ? Comment ? T'auras fini, je pourrais te piquer ton grand angle. Oui. Faudra quand même un moment. Donc à 4 potiops. Mais qui est là ? C'est Riri ? Tout à l'heure, regarde. Y a rien. Et... Ghost in the fog. Air Ghost in the fog. Est-ce que ce serait pas ce qui s'appelle avoir la tête dans les nuages ? Salut mon poteau ! Il est beau ce truc. C'est un fond ? T'as une pièce ? Ouais, faut mettre une pièce dedans. Allez, à tout fait. C'est un bordel. Hein ? Comment ? C'est assez sympa. C'est vrai ? Ouais. Pour un peu de plaisir. Petit peu. Par contre, ça se. J'ai vissé un peu. Mais... Non, faut visser plus fort. Dans l'autre sens surtout. Voilà.
Donc le deuxième indice se trouverait là où le pain embaume. Je reprends l'hélicoptère. Diriger vers une peut-être une forêt de pain. Voilà. Qui embaumerait ma solitude. Avec la meilleure des chansons pour Blagon. Tu es toujours là dans mes pensées. Trying to figure out the time zones making me crazy. C'est quoi une jambe sur un trottoir? Je sais pas. C'est un des trucs qui a marché sur un chewing-gum. I do not make a beat. A USB. Et ya. Vas-y, vas-y, vas-y.
Thank you.